J'ai quelque chose à vous montrer. C'est pas glorieux. Vous savez, l'exploit lance-flamme qui tire à travers le mur. Vous vous souvenez de ça, hein? Attendez de voir la suite. Attendez de voir la suite. Si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, je suis tombé sur le nouvel exploit, c'est abusé. Voilà. Je viens de voir que le behavior a fait un patch pour le matchmaking apparemment. Oh! Eh ben, j'espère que ça va marcher. Donc, voilà les copains. Pas besoin d'utiliser de piston. Vous utilisez le pack DBD et vous tirez à travers les murs. Voilà. ADBD, hein. Vous mettez des moteurs. Et puis, bah, c'est GG. Hop. Ouais, non, mais tu m'étonnes, Unreal. Les trucs comme ça, c'est pire que les cubes corrosifs, quoi. C'est pire que les cubes corrosifs. Oh, tais-toi, toi. Donc, on a ça comme joli exploit. Ouais, j'ai vu ça chez Y4. Ouais, bah, moi aussi, à vos tours. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc, moteur DBD, bien pété du fion. Et aussi, truc qu'on a vu chez Grey4, vous pouvez tuer les gens à travers les murs avec un piston. Et sinon, j'ai toujours pas trouvé de solution pour mon crash régulier. Prochaine étape, tenter de relancer avec Windows en mode 16 échecs. Bah, moi aussi, j'ai pas mal de crash en ce moment, Unreal. J'ai pas mal de crash. Et donc les gens, voilà, vous. Alors, je vais refaire le même setup qu'il avait fait. Voilà. Donc la peinture ne sert à rien. C'est juste pour moi un repère. Mais en gros, votre piston peut tuer à travers les cubes. Je crois que c'est là. Voilà. Magique, hein? Voilà. Voilà, c'est là, là. Les pistons sont OP! Et les pistons qui traversent les cubes de seconde vague, vous pouvez pas leur tirer dessus. Vous pouvez pas les détruire. Il y a que le shield ou la grenade shield qui peut les détruire. Donc voilà. Les petites news du jour. Voilà, c'était les petites news du jour. Donc voilà. Sachez que si vous voyez des moteurs maintenant, bah, il faut se méfier. Il faut se méfier. C'est malheureusement des choses qui risquent d'arriver jusqu'au prochain patch. Donc, sachez-le. Sachez-le, ça va arriver.